la lutte pour une alimentation de qualité, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition sont des combats qui sont des combats essentiels pour lutter efficacement contre la pauvreté. C'est un combat qui est au cœur de notre action de partenariat au développement et c'est un combat qui, sans l'ombre d'une hésitation, est au cœur des engagements et des priorités du Sénégal et de ses autorités. Si on veut contribuer à sortir les plus vulnérables de la précarité, si on veut créer des emplois, en particulier pour les jeunes, le gisement le plus important en la matière, c'est clairement l'économie alimentaire. C'est là où il y a le plus d'opportunités, c'est là où il y a le plus de possibilités, pas simplement sur des enjeux strictement alimentaires, ça couvre toute une série de métiers qui vont bien au-delà. Donc le gisement d'emploi aujourd'hui et demain, il est dans l'économie alimentaire. Lutter efficacement contre la sécurité alimentaire, contre la malnutrition, c'est investir économiquement dans le dynamisme et la richesse du pays. Aujourd'hui et demain, investir dans la santé de ses enfants, c'est investir dans les adultes actifs, investis, dynamiques de demain. Diversifier l'alimentation est une réponse extrêmement efficace dans la lutte contre la malnutrition. Pas la seule, mais ça y contribue grandement. Produire des aliments de qualité, c'est être en mesure de les vendre mieux et plus cher. Ça permet aux gens d'être en meilleure santé, de lutter contre la malnutrition et de dégager des revenus additionnels. Donc, gagnant-gagnant. Ça pour le mensonge, mais égo ma valeur.